Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Gears 5, un jeu édité par Xbox, développé par The Coalition. La sortie française, c'est le 10 septembre 2019, mais si vous avez l'édition Ultimate, eh bien vous pouvez y jouer depuis le 6 septembre 2019. C'est un type action TPS shooter, c'est déconseillé aux moins de 18 ans parce qu'il y a de la violence et du langage grossier. Nous sommes sur Xbox One X, mais le jeu est également disponible sur PC. Et n'oubliez pas que tous les jeux Microsoft Xbox sont inclus dans le Game Pass, c'est-à-dire que c'est une sorte d'abonnement que vous payez pas forcément très cher, et pas mal de jeux sont dessus. Après, si vous voulez plus de détails, je pourrais vous le dire en description ou en commentaire si vous posez la question. D'ailleurs, Gears 5, bien entendu, c'est la suite de Gears of War. Maintenant, ils ont appelé comme ça pour que ce soit peut-être un peu plus court. Personnellement, les précédents, j'ai toujours adoré. Le 4 était vraiment exceptionnel. Beaucoup n'ont pas forcément aimé, mais moi, j'ai vraiment adoré. Un poil court, mais vraiment top. J'espère que celui-ci sera tout aussi bien. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Personnellement, dès ce soir, je ferai le jeu en live sur Twitch. Le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à follow. Comme ça, une fois que le live est lancé, vous êtes averti. Voilà, vous pouvez venir. N'oubliez pas aussi le petit like et puis le petit loup. Eh bien, on est parti. Les étrangers sont forts pour ça. Lieutenant, ça fait longtemps. Le village n'a plus d'électricité depuis des semaines. Il nous faut le fabricator. Je me contrefous de ce fabricator. Vous me prenez mes gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais court. La CGU va pas tarder. Vous m'aviez promis que vous voleriez le fabricator sans provoquer Jean. Ça n'a rien à voir avec le fabricateur. Alors, vous avez fait quoi? Jean nous a accusés de kidnapper des gens. Je sais pas ce qu'elle racontait. Amenez le fabricateur dans la centrale et installez l'inverseur. Jean reviendra, j'espère que tu le sais. Il faut partir, vite! Maman! Kate, écoute, tu dois te cacher et après, tu dois t'enfuir. Écoute, tu sais tout aussi bien que moi qui peut nous aider. Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Enlever ? Pas, je crois que tu devrais regarder ça. Merde. Les gars ? Dis-leur, tu m'as dit que c'était pas la CGU qui comptait. Ouais, mais ça, c'était pas tout à fait vrai. Il faut traverser le fort et atteindre la mine d'osmium abandonnée de l'autre côté. Parce que la CGU y a acheté quelques milliers de cadavres de locus après la guerre. Alors si votre vermine est liée à toutes ces larves, c'est là-bas qu'on le saura. Papa ! Non ! On prenne les gens et les utilise. Et si on n'arrive pas à les récupérer ? Alors ? Je suppose qu'on devra se débrouiller seul. Merde ! Au moins, on est sûr de savoir d'où il venait. Et on sait où vont les écumeurs. Mon père est vivant et il est là-dessous, ok ? James, dans la cosse, je pouvais voir tout leur réseau. C'est toute leur ruche à la con. Et tout est connecté. Les locustes, ils sont jamais morts, James. Kate, ta mère, est vivante. Où est-elle? Et j'ai vu qu'ils la traitaient pas comme les autres. Pas de cosse. Si vous me libérez, je meurs. Ça va aller. Elle voulait te confier ça. C'était à ma grand-mère. Je l'ai jamais connue.
Kate n'est pas prête pour ça. Elle peut à peine garder les yeux ouverts. Ne t'en fais pas pour elle. Elle peut le faire. Ok. On est presque aux coordonnées de merde. Bienvenue à Azure. C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit, environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok, voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui saute en premier ? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord? Ouais, c'est ça. Oh, merde. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes? Ok, contrôle, on se déploie. Contrôle? Sérieusement? J'ai un nom. Contrôle. Les règles sont les règles, merde. Enfin, contrôle. Et on en enfreint suffisamment comme ça. Tu ne peux rien dire si elle n'est pas au courant. C'est à moi de décider, ok? Mais si j'appelais pas à la première ministre, elle peut me passer un savon. Ce qu'elle fera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Mais n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est... c'est plutôt évident. Vous n'êtes pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'aube. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça? Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnelle. Il gérera la séquence de lancement. Ok. Bah, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, bah, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois qu'il y a un dialogue, bah, je me tais. C'est bien pour vous, c'est aussi mieux pour moi. Histoire de me concentrer. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait, merci. Et franchement, le jeu, il est très très beau. Hein. Ça, y'a rien à dire. D'ailleurs, n'oubliez pas, normalement, la vidéo, elle sera en 2K ou en 4K. Pour ceux qui ont la possibilité de voir en haute résolution. C'est un petit peu austère par ici, là. C'est bon, vous me suivez? C'est bon? On y va. Voilà. J'ai pas vu qu'il y avait une grosse marche. Oui, donc, le 4, enfin, le 4 et le 5 sont vraiment liés, parce que bah, la fin du 4... On sait qu'il y a un 5 qui arrive parce que. Genre, c'est comme si il y avait une partie 2 qui allait arriver. Hein. S'il est clos, on sera submergé par la vermine. D'ailleurs, j'ai pas pensé à faire le 4 juste avant pour me rappeler un petit peu. Hey, attention. Non, mais... oh la vache. Oula, oui. On se calme. Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre? Comme ça. Par contre, j'ai pas trouvé. Attendez, y'a pas une touche pour courir peut-être? Non. Attendez. Ah voilà, c'est faut rester appuyé sur... Ah d'accord. Puis je me disais, rester appuyé sur le stick ça fait rien. Et c'est bizarre que dans un gear, qu'on puisse pas courir, c'est assez chelou. Après bon, voilà, là dans le jeu, quand des dialogues comme ça, je vais quand même parler, parce que sinon, durant une vidéo de pas mal de temps, je vais rien faire. Attendez. On peut faire ça? Ah, pas mal ça. Parce qu'il avait écrit quelque chose, j'avoue, j'avais pas tilté. Ce robot, il va nous être vraiment très utile. Et j'ai oublié de préciser, excusez-moi, le jeu est jouable en coop. Et bizarrement, on m'avait proposé
plus que deux, enfin quand il y avait le choix. Mais deux c'est sûr. Après le reste c'est en bonus. Par contre, après cette vidéo, je pense que je changerai la configuration des touches. Que j'ai envie de rester appuyé sur le stick pour courir, parce que rester appuyé sur A, c'est pas forcément la touche que j'affectionne le plus. Mais voilà, pour la découverte, on va rester avec la base de ce qu'ils nous ont proposé. Donc oui, comme je vous disais, le 4 et le 5 sont vraiment liés. Un peu comme tous, mais c'est comme à la fin d'un film. Quand tu regardes un film... non, c'est ça. À chaque fois, je me trompe avec les touches Xbox. À la fin d'un film, voilà, on dit, genre, to be continued. Voilà. Voilà, pour celui-ci, c'était un petit peu ça. Et ça m'a mis mal, parce que, bah, moi, j'ai bien kiffé le jeu et j'en voulais en voir plus. Je sais pas vous, franchement, vous voyez ces éboulements-là? Vous faites pas ça? Bon, allez, gentiment. C'est obligé. J'ai même failli avoir un début de hockey, là. Impulsion. T'inquiète. Par contre, l'impulsion, vous pouvez le voir en haut à gauche. Elle est pas pour toujours. Alors, est-ce qu'on peut les kill comme ça? C'est B. Ouh, ça fait mal ça. Tu nous as vu? C'est pas grave. Aussi, au niveau de la difficulté, j'ai mis intermédiaire, donc difficulté normale. Après, pour ceux qui sont très bons dans les shooters, vous pouvez peut-être mettre un peu plus. Moi, personnellement, j'aime bien jouer à un jeu et m'amuser avec. Ah, voilà, on a un bon ressenti au niveau des armes. Ça, c'est top. Après, Gear, c'est surtout fait un peu comme Division 2. Je compare à lui parce que le système de cover est très important. On va plutôt se mettre là. Si vous ne mettez pas cover assez rapidement ou assez souvent, ça passe pas. Allez, comme t'as dit, plus qu'un. Yes, bien joué les gars. Baird, c'est confirmé. Le cimetière locuste d'Azura est actif. Merde. Ok, le condor reste en l'air. Faites-moi signe si vous avez besoin de renfort. Non, je vais garder l'arme que j'ai. Elle est très... Elle est agréable en visée. Par contre, ouais. Je me suis dit, je t'ai suivi, mais c'est un petit peu louche ton passage là. J'ai même pas chargé. Allez, on y va. C'est pas grave, t'inquiète. T'as pas beaucoup dormi. Je te comprends, pas. À moindre mot. Parce que moi, ce mois de juillet-août, j'ai tellement galéré en termes de moustiques, etc. Je me suis fait piquer à tout va. J'ai passé un été, genre. C'était horrible. Et quand, tu sais, quand vous faites réveiller par les moustiques, quand vous faites piquer. Quand vous faites un battle contre un battle royal, il en restera qu'un, et malheureusement, c'est les moustiques qui restent. Comme quoi, des fois, il faut peu de choses pour passer un très mauvais été. Alors là, on est bon. Point d'ravitaillement, donc en gros, c'est un point de sauvegarde. Par contre, je n'ai pas trouvé la touche qui nous permet de... Wow ! Mais il est stylé, lui ! Dès le début du jeu, tu tombes sur des... par contre... Voilà, reste au sol. C'est quelle touche pour... Ah, d'accord. C'est cette touche-là, parfait. J'adore quand tu joues un jeu dès le début et qu'on t'en met plein la face. Et ce qui est pas, c'est pas que le début. Hein. Après les retours que j'ai pu avoir de pas mal de personnes, le jeu est époustouflant du début à la fin. Je me fais moi-même mon... Non ? Ok. T'inquiète. Et comment on balance la greu? Bon. Ah. Attention à l'explosion. Hop là. Nice. J'ai fait... Bah oui, bah t'inquiète. Ah oui, chaque touche. Ouais. J'ai complètement oublié la jouabilité du jeu. Je suis un peu perdu. Bah en même temps, c'est une découverte. C'est bon, ça prouve une chose, c'est que j'ai pas testé le jeu avant. Ok. T'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. De toute façon, on mettra fin à la guerre autant de fois qu'il faudra.
Et aussi du mode multi, pour ceux qui se posent la question, c'est un jeu qui se joue en solo, enfin en solo, coop, campagne, et en multijoueur. J'avoue, j'ai jamais été vraiment fan du multijoueur des Gears, mais c'est à tester. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste ? On va le découvrir. On est à droite, nous on va à gauche. On va trouver ces silos. Ça marche, mais on reste en contact. T'es sûr de ton coup ? Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée ? Bah, je suis pas forcément sûr. Moi j'aurais pris à gauche. Je sais pas pourquoi. Et qui sait ? On aura peut-être le coin le plus facile. Saute ! Ça ressemble à un tunnel d'échappement. Mais est-ce qu'il sort du silo ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Le jeu de lumière est vraiment pas mal. Oui ! Et on n'a même pas le droit de regarder ce qui se passe à gauche, à droite, etc. En plus, là, je rentre du cinéma. Voilà, je vous raconte ma vie. Et j'étais à l'avant-première de ça, chapitre 2. C'est le clown, etc. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et franchement, elle est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours été fan de cette licence. À l'époque, j'avais eu peur, j'avais flippé. Mais entre les deux, j'ai quand même préféré le chapitre 1. Parce que je sais pas, on s'attendait tous à un film pas forcément hyper bon. Et finalement c'est une très belle réussite le 2017 là. Et celui-ci il est tout aussi bien, mais quelques petites choses qui m'ont un peu moins plu. Mais vraiment je vous le conseille, hein, si vous avez vu le premier, allez voir celui-ci. J'espère qu'il y aura une suite ou qu'il y aura un reboot dans 20 ans. Ça serait cool. Voilà, je voulais vous parler de ça, parce que quand j'ai vu les ennemis un petit peu, ils m'ont fait penser à des choses qu'on peut voir dans le film. Ah oui, aussi le système de rechargement. J'avais oublié. Ah là là, vraiment. Elle a beaucoup plus de recul. J'ai l'impression que cette arme-là, elle est beaucoup plus puissante. Attention, pousse-toi. Elle est beaucoup plus puissante, mais elle a un recul beaucoup plus important aussi. Donc je vais récupérer mon arme. Ouais. Une fois qu'on aura fini. À part c'est leur boulot à eux, c'est de vous faire reculer. Et si c'est le cas, bah, elle réussit très bien. On peut y rejouer, ouais. Peux-tu rejuger, mais c'est pas bien ouf en termes de précision. Est-ce qu'on peut... Voilà. Je peux quand même récupérer la mienne. Après, on peut changer, hein. Comme ils ont montré tout à l'heure. Voilà, on peut prendre le destructeur, on va tester un petit peu. J'espère juste maintenant de ne pas avoir des ennemis qui soient un peu trop loin. T'es le mec, est tellement mauvais qu'il prend le fusil à pompe quand il faudra tirer au sniper. S'assurer que ça arrive une fois qu'on sera parti. Ouais. Je sens que ça va venir là. Non ? Au secours, bruit. D'accord. C'est naïf. Il m'a fait flipper. Ouais. Ah, attention. Et là, faut pas se louper. Nasser, voilà. Comme vous me connaissez. Ça peut aller très vite avec moi, voilà. Les munitions aussi, assez important. Passe en dessous. Oh non, on a de la compagnie. James, on est au-dessus de vous. Je vous vois. On pourra vous couvrir de là-haut. Si jamais ça se complique. Dis-nous juste tirer. Il me dit de faire ça, attends, c'est quoi ? D'accord. Oh ! Pas mal. Alors, oh là là, hey, je suis obligé, quoi qu'il se passe. Je voulais le faire, je sais que j'aurais pu peut-être tenter le côté discretos, mais non, il y a un moment. Ouais bah. Ah, le fusil à pompe, il est pas si ouf, je veux dire, il one-shot pas. Alors, s'il vous plaît. Hop là. J'aime bien comment il lance la grenade, c'est très. Très bizarre. Genre, quand je dis très bizarre, c'est-à-dire que. C'est pas dans tous les jeux où. Putain, elles sont les munitions. C'est pas dans tous les jeux où il balance une grenade comme ça. On a un lance-grenade aussi. Eh, attends, pousse-toi. Voilà, on est là pour s'amuser un petit peu aussi. Ah bah je l'esquive.
pense pas qu'il l'ait fait exprès. Bon, il s'en occupe. Il n'y a pas d'autres ? Parce que bon, je vais quand même récupérer. Ah ouais, comme par hasard. Tintin, tintin. On se calme. Oh bah, si je t'avais vu plus tôt, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est bon ? Personne ? Voilà, ça revient à 312. Ah si, on vient du monde là. J'aurais peut-être dû récupérer ou garder le lance-patate. Oh mais toi t'es résistant dis donc. Ah mais par contre Dave il est vraiment cool. Il est avec nous hein. Que je veux dire à un moment, je sens que dans le jeu. Je sais pas pourquoi hein, mais dans le jeu il va se faire pirater à un moment et que ça va être compliqué. Ok, on peut finir les ennemis. Le corps à corps il est assez puissant aussi, ça c'est bien. Salut. Alors, par contre vous avez pas de chance vous hein, vous avez pas de vêtements, rien. On est un peu occupés là, allez-y tous les deux. Ouais. Attention, vermine. En même temps c'est pour ça qu'ils vous aiment pas, vous les traitez de vermine. Est-ce que vous avez tenté de faire un petit peu de dialogue là entre vous? Finalement pas de dialogue hein. Je vais m'occuper de lui là que. Lui il peut nous embêter. Hop là. Wow. Ça sent pas très bon. De toute façon, je pense que dans les combats, faut être un maximum. Faut bouger un maximum. Faut être mobile. Et faut surtout s'occuper de ça quand c'est en l'air. C'est sûr que moi, je m'en occupe pas forcément. Allez, on va aller. Ah, mais à chaque fois, j'oublie de. En fait, j'ai un problème pour l'instant. C'est d'appuyer sur la touche quand faut recharger. J'y pense pas. Vas-y. Balance-les. Nice. Oh, les. Oh. Eux, tu sens qu'ils sont méga chauds. Bah, ça te dirait pas de relancer les petits gros là. Hop là. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, on n'a même pas eu besoin de plus que deux. Merci les gars. Merci pour le coup de main. Vous vous retournez pas contre nous. Qui sécurise la zone et l'autre qui vient avec nous. Allez. Ça aurait été cool de pouvoir leur donner des noms. Moi j'aurais bien aimé. Je leur appelle Nasser. C'est un beau prénom, je pense. Non, c'est fermé. On va devoir trouver un moyen d'ouvrir. Ouais. Ouais, mais genre Dave il peut pas ouvrir la porte. C'est chelou. Attends. Là ça passe pas. Voyons voir. Attention ici, hein. Attends. Ah! C'est vrai. Heureusement que le début du jeu, on nous apprend un petit peu les choses. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Allez, vas-y. On compte sur toi. C'est toi le boss. Vas-y. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil. Tu peux nous ouvrir cette porte-là aussi? Si ça te dérange pas. Oh, elle est beau comme ça, le robot. A priori, il est en train d'ouvrir une porte. Il fait bien plus que ça. Eh ben, en tout cas, la porte est ouverte. Merci, Dave. À propos des données que Dave a téléchargées, une partie des éléments les plus confidentiels a disparu. Ça a un rapport avec notre mission? Non, mais je dois savoir où sont ces infos. J'imagine que ce qui manque a été retiré du réseau. Qui aurait le droit de faire ça? En ce temps-là, uniquement le commandant de l'installation. Trouvez son bureau et jetez un œil. Ok. On essaye. Ah, il me montre où il est son bureau. Moi, ça m'aurait pas dérangé un petit peu de chercher moi-même. Scène de l'environnement. Détection d'une ancienne technologie inférieure de la CGU.
Ça me plaît pas trop ce qui vient de se tramer là. Heureusement qu'on a le boss avec nous. Et encore, on les a pas trop vus travailler. Que c'est au moment où je me suis décidé de lancer une greu. Pas forcément fait gaffe. Attention, ça va couper. Nice. J'ai trouvé quelque chose. Voilà. Pas mal de munitions ici. Tu sens qu'il va y avoir un fight. Après, on a ce système là aussi à chaque fois. Au niveau de l'impulsion et tout, c'est vrai que je l'utilise pas souvent. J'y pense pas. Enfin, dès que t'as des nouvelles mécaniques dans un jeu, ou des anciennes mécaniques, mais voilà. Ouais, non, je vais rester comme je suis. Hein. On peut pas l'envoyer. Bon, je vais voir ce qu'il y avait là-bas, là. Non, y'a rien. Allez, trouvons ce bureau. Ouais, on essaye, de toute façon on prend notre temps, on n'est pas pressé. C'est pas une course à celui qui va plus vite. Merde. Bonjour. Bon, maintenant qu'il avance un peu. Ou au pire. Voilà. Ça leur a pas fait beaucoup de dégâts. Ah bah ok. Et peut-être puissant, en même temps ça qui frappe fort. Hein. Ah bien joué. Attendez, il faut que je le protège. Arrête de toucher à Bon Dave. Toi aussi là. Va-t'en. Tu sais quoi? Hop. Tu veux pas m'aider, Apoul? Pense qu'à lui. Les grenades, elles sont vraiment très puissantes par contre. Ouais, ça va être goldé, comme on dit. Attention, c'est la fin. Et c'est vraiment assez kiffant le fait de dire que t'affrontes beaucoup de boss et tout, c'est... Voilà. Attention... Ouais, on va faire de viser par contre. Ça a l'air ultra puissant. Oh, ok. Je pensais que c'est un tunnel. Et bah non. Toi. Voilà, bon, on va y aller avec. Hein. On a 60 munitions, mais avec 60 munitions, on peut aller plutôt loin, je pense. Attends. Voilà. Le pauvre. Ça y est, c'est fini. Maintenant, trouvons ce bureau. C'est censé ressembler à quoi le bureau d'un commandant? Del, ah, ce serait pas ici là, là. Mais la porte est fermée. Dave, tu t'en occupes? Ou tu t'en fous? Par contre, ce qui est un peu embêtant, que on peut courir, que je pensais qu'on pouvait pas. Voyons voir. Le bureau du commandant. Ouais, mais pas parce que c'est pas le bureau que c'est pas important, regarde. La preuve. Ouais. Il y a peut-être un mécanisme de déverrouillage là-dedans. Il faut juste faire entrer Dave. Oui, mais tu... Deux secondes, d'accord? Ça a pas l'air d'être ça. Ouais. Et ça alors non plus. Vous savez quoi? Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait à voir, on peut utiliser... Impulsion. Essaie de trouver un conduit d'aération. Il doit être voilà. Assez large pour laisser passer des... Par qu'on l'a vu. Berne, les données manquantes, c'est ça? Allez, vas-y, comme ça. Tu rentres par là, et si logiquement, tu sors par ici. Sorte de disque dur externe. Et tu nous ouvres si t'es bien gentil. Allez, voilà. D'ailleurs, Dave, c'est le moment unique de cette vidéo. Hop, le plus important. Un petit schéma. Voyons voir. Ça sert à vraiment. Pour ça, c'est des documents importants. Ça, on perd pas du temps. Un coffre. Bonne planque pour les données. Dave, s'il te plaît. T'inquiète, c'est un truc qui sort. Bien. Et voilà. Et hey, contrôle, bonne nouvelle, on a trouvé le disque dur. Bien joué, Delta. Et hey, vous savez ce qui nous ferait plaisir? Des renforts. Quoi? Vous êtes où? Le silo, on l'a trouvé. Et on est encerclé. Ah merde, on arrive.
On y va les petits loups, allez vite. Ils ont besoin de nous, il y a même une flèche qui nous dit par où passer. Oh. Attends, dans n'importe quel jeu, dès que t'arrives quelque part et qu'il y a des fameuses grenades, tu sais que voilà. Tu sais qu'il y a un fight, bon là. Pas besoin d'être un génie. Ah. On va essayer de s'occuper sur lui là. Mais vraiment la visée. C'est bien, bon, avec cette arme, vous voyez, il y a limite très peu de recul. Comment? Oh, oui, je vais tirer sur elle. Je l'ai pris pour un ennemi. En même temps, elle a la visée assistée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Alors. Je dirais pas. Ah, on a plus de grenades. Ok. C'est quoi ça? D'accord. J'en suis occupé. D'accord, mais non. Ça va être sympa quand il y a un boss, mais ouais. J'en ai eu un autre. Voilà. Il se dépasse vite lui. En même temps, c'est vrai que quand tu vas sur. Quand tu te mets à cover. Ça va plutôt vite. T'inquiète pas. Rien me fait peur. C'est bon. La salle de contrôle est dégagée. C'est sympa d'être venu nous voir. Oh, pas de problème. La fusée est intacte. Elle l'est. On le croit ou non? Bien. Trouvez un port pour que Dave se connecte. Si ça fonctionne, bah ici, non? Il avancera. Attends. Peut-être mal vu. Pour moi, il y avait, ouais. Il y avait un truc ici. On est d'accord. À toi de jouer. Contrôle, on y est. Tu peux lancer la séquence. Niveau 1 pressurisé. Lancement initié. Delta, on a un problème. La trappe du silo, elle s'ouvre pas. Évidemment. Je savais que c'était trop facile. Père, les options. Tirez-vous, les pans planés vous protégeront pas de l'explosion d'une fusée. Ok, alors on annule. On bouge. Alimentation hydraulique externe activée. Non, on va ouvrir cette trappe. Qu'est-ce que tu dis? Écoute ton père, petit, vous pouvez pas rester là. On a accepté la mission, alors on continue. Test de mise à feu. C'est la dernière fois que je te suis comme ça. Ouais, ouais, on dit ça. Allons ouvrir cette trappe. Bah ouais, allons-y. Comme ça, on terminera la découverte sur ça, je pense. Il doit y avoir des commandes manuelles en haut. Trouvons un moyen de monter. Oui. J'avais même pas vu. Ouf. Ok. Comme on dit, le feu, ça brûle. Allez, on va se replier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur moyen de ne pas mourir... c'est de se mettre à cover. Si je fais pas, forcément, ça va pas le faire. Ouais, bah attends, les plombs, on peut l'envoyer. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, j'ai l'impression. Je vois pas grand chose là. Allez, mon petit dev. Oh, Chargeant qui aime le dire tellement souvent, le regard où tu tires. C'est qui rangé. M'attaque là? D'accord. C'est bon, maintenant on peut passer par là en plus. T'inquiète, tout va bien. Hop là! Attention! J'aimerais bien tester aussi celle-là, comme arme. Comment elle est? D'accord, c'est un petit pistolet. Est-ce qu'il est puissant? Bah. S'il te plaît, laisse-moi dire à Dev de. Non, on peut pas pour l'instant. Oh, ça fait penser à des trucs bizarres là. Vas-y. Vraiment, on peut pas l'envoyer? Ok. Et maintenant, on peut l'envoyer? Ah. On était peut-être pas forcément assez proche. Del, ça a combien de moteurs une fusée en général? En général, 4! Oh, c'est
Allez, on y va. Désolé si je parle pas, hein, je suis un petit peu à fond dans le jeu là. J'essaie de comprendre le comment, du pourquoi. Bon, c'est simple, faut monter. Je sais pas si c'est dangereux. Je pense que c'est par là, toujours. Oui. Ah, ça rigole pas. Hein. Si il y a la pompe comme ça là. Eh, tu sais, moi aussi je peux faire une grosse voix comme ça si tu veux. Hein. Moi aussi, je vais te manger. Allez, l'échelle. Oh là là, à une main comme ça avec tout le poids qu'il a. J'ai trouvé. Les rushs tombent partout. T'inquiète. On s'en occupe. Aucun ne prendra la fuite. Et par contre, on a déjà plus de munitions à ce niveau-là. Ah non, non, c'est ça qu'on a récupéré. Attends, on va tous les faire au corps à corps. Oh. Merde. Allez. Lancement dans 15 secondes. On y va. Vite. Lancement dans 10 secondes. On n'a pas le temps, allez! Appuie! Non! T'as mis encore dedans! Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est juste un robot! Mais c'est pas sa faute! 2, 1, je te tiens! Décollage. On aura tout vu. Sam, on est prêt pour l'extraction. James, et si je parlais à Jean d'abord? Histoire de calmer le jeu avant que tu la briefes. Ne me dis pas que le sergent Phoenix est devenu diplomate. Appelle ça comme tu voudras, seulement on est en guerre, même si ça se voit pas encore. On doit être sur la même longueur d'onde. Oui, c'est sûr, enfin, si tu penses que c'est mieux. Vas-y. J'aurais apprécié que tu sois aussi coopératif quand on était au silo. Ça a pourtant marché, non? Écoute-moi, James, un conseil. Arrête de vouloir être le meilleur. Ne fais que ton boulot. Papa, j'ai pris un risque nécessaire. Nécessaire, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre option. C'était pas nécessaire. Et tu le sais. Qu'est-ce qu'il te voulait? À ton avis, la même chose que d'habitude. Hé hey. C'est juste qu'il tient à toi. Pourtant, j'ai bien l'impression qu'il tient beaucoup plus à toi qu'à moi. Ok, ouais. Bon, nous, on va à l'intérieur. Viens, Dave. C'est dégueulasse de dire ça. Ouais. Désolé. Tu sais, vous vous ressemblez bien plus que tu ne veux l'admettre. –
Les données sont devant toi, Damon. Mais attends, c'est fini? Je pensais que ce satellite se connecterait automatiquement aux anciens. Ils n'arrivent pas à les trouver. En l'absence d'envois réguliers de télécommande, la précision du suivi se dégrade. Merci beaucoup, Iris. L'intonation de ta voix ne correspond pas au sens littéral de tes paroles. J'en déduis qu'il me remercie pas. Tais-toi, pitié. Bon, j'ai pas encore réussi à localiser les autres satellites du rayon de l'aube, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai accidentellement créé une IA qui comprend le sarcasme. Tiens, le disque dur que tu voulais. Ça t'aidera peut-être. À trouver les satellites? Je pense pas, mais je regarde ça. Attends, on a fait tout ça pour rien? Oh non, il va tirer! Mais avec un seul satellite en l'air, ça va être dur de contrôler le faisceau. Qu'est-ce qu'il a, Dave? Dave a des petits problèmes. Ah, mais quoi comme problème? Ce genre-là. Ah, je sens que je vais regretter ça. Les gars, voici le nouveau Jack. Où est-ce que t'as trouvé le temps de construire ça? Où j'ai trouvé le temps de construire ça? C'est mon boulot. Je m'efforce de créer des trucs que vous négligez tous et que vous finissez par casser. Et il a quoi de différent, celui-là? Nouvelle palette de comportement, meilleur scanner, armement supérieur et module de soutien. Il est unique en son genre. Et là, il est à vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un milliard de satellites vieux de 40 ans à retrouver. Damon, il n'y a au total que 15 satellites manquants. Merci, Iris. Encore un exemple de sarcasme à ajouter à ta banque de données. Avant de commencer, Damon, le module de combat que tu as brillamment conçu est désormais prêt. Mon emploi du mot « brillamment » était sarcastique. Est-ce que ça a marché? Suivez-moi. Vous devriez installer ce nouveau composant tout de suite. Dave sera prêt au combat comme ça. Non, je sens que ça va me plaire. Bah moi aussi, mais vous savez quoi, vu que la vidéo est déjà assez longue, eh bien c'est la fin de cette découverte. Franchement, j'ai adoré. J'espère que vous aussi. Comme je dis, la suite, je la ferai en coop avec mon pote en live. Donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez surtout pas. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!